Alors, comme prévu aujourd'hui, je vais nettoyer ma Ferrari California, mais je vais quand même, évidemment, parce que je ne sais pas le faire, laisser Michael, qui pour le coup, lui, c'est son vrai travail, de faire le volant. Parce que toute la voiture est parfaite, mais moi, pour des raisons de pureté, je veux que le volant soit nickel. Comme c'est de l'Alcantara, ça se nettoie pas n'importe comment. Je n'ai absolument aucune qualification pour toucher à la lampe. Alors, mon frérot, qu'est-ce que tu peux nous expliquer sur l'Alcantara, s'il te plaît? Parle bien fort, parce que comme il y a Dylan qui est en train de tout niquer. C'est un matériau qui est très très fragile. Donc c'est pas du cuir, c'est une sorte de plastique. Moi je connais pas la composition chimique, mais je sais que c'est un matériau qui est très très compliqué à travailler, parce que c'est un poil court en plus. Ça aurait été du daim, c'est différent. Et il faut y aller vraiment, tu vois, c'est très très souple là. J'ai mis le produit directement dessus pour pas en foutre partout, parce que tu vois, j'ai mis une petite microfibre pour cacher. Et il faut y aller vraiment étape par étape, step by step. Et après, à chaque fois que tu viens brosser avec ton produit délicatement, tu vois, je frotte pas violemment, tu vois. Et après, en fait, automatiquement, je viens direct nettoyer et tu vois si, tu vois, il est un peu sale, et etc. Faut pas y aller trop comme un barbare, sinon. Sinon, tu baisses tout. Et tu peux boulocher et tout, attention. Si ça bouloche, c'est fini. Ouais, c'est fini. Tu peux raser un peu. Comme une chatte. Voilà, on l'a dit en même temps. Mais voilà, faut vraiment y aller tranquille.